Philippine avait 19 ans seulement. Le 21 septembre, son corps sans vie a été découvert. Le viol et le meurtre atroce dont elle a été victime nous ont tous saisis d'effroi. Dans tout le pays, cette tragédie insoutenable a soulevé une vague de douleur et d'émotion. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les députés, en la mémoire de Philippine, je vous invite à observer une minute de silence. Les minutes de silence de l'Assemblée nationale étaient réservées à des grands moments d'émotion nationale. Donc vous comprendrez que le Liban, avec 1 million de personnes déplacées à l'intérieur de son pays, soit 1/6 de sa population, avec déjà juste la semaine dernière 600 morts dans les bombardements, cela ne provoque pas d'émotion dans le pays apparemment. Et vraiment, je tiens à dire à quel point je le regrette et à quel point cette décision me met en colère.